la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Dear Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Jure, maintenant j'ai pas réussi. Jurez dans les commentaires, j'ai pas réussi à faire son intro. Les amis, plus sérieusement, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, vous avez pu voir, j'ai fait l'intro de Thibaut et Shape et aujourd'hui, je vais manger comme lui pendant 24 heures. Thibaut et Shape, c'est qui? Thibaut, c'est un youtubeur qui est dans la nutrition, dans les concepts de métier. Il a surtout été connu parce qu'il faisait des concepts de cuisine et aussi des concepts sportifs. Bah, regardez son corps, s'il vous plaît. Le gars est musclé, ce qui n'est pas du tout mon cas. Et on n'a pas du tout les mêmes façons de manger et de s'alimenter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va manger comme lui pendant 24 heures. J'ai très très peur, j'ai vraiment très peur. Moi, je mange vraiment plus dans les fast-foods. Vous voyez, grec, tacos. Non, lui, c'est tout l'inverse. Le gars mange sainement des légumes, des courgettes, tout ce que je déteste. Du coup, j'espère que vous êtes bien installés. Mais évidemment, avant que la vidéo débute, on va aller faire les courses. Et évidemment, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire avec la cloche de notification. On arrive bientôt à 1 000 000. Alors abonnez-vous avec la cloche et n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous voulez une autre partie avec un autre youtubeur ou alors avec une autre célébrité, je vais vous mettre un objectif de 50 000 pouces bleus. J'ai vraiment parlé comme lui, c'est aberrant. C'est très très grave. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires surtout quel youtubeur ou quelle célébrité vous aimeriez que je reproduise. Vous êtes prêts? Et bah c'est parti, on commence avec les courses. Mais évidemment, avant que la vidéo débute et qu'on fasse les courses, et évidemment qu'on fasse les plats et qu'on mange comme lui et qu'on ait peur et qu'on vomisse à la fois cette vidéo, on fait quoi, Choco? Choco, balance la pub! Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolat & Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu et bien sûr à mettre son code créateur Choco dans la boutique de Fortnite, C-H-O-C-O-H. Merci à vous. Première étape, c'est l'étape des courses parce qu'évidemment, il mange sainement. Regardez où est-ce que je suis. C'est vraiment le rayon où je vais presque jamais. Salade. Regardez-moi les légumes. Je suis abattue. Il y a des graines. Abattue, abattue. Donc on commence. Je prends la petite liste des courses. Alors on a tellement de trucs à prendre. Donc vu qu'on est au rayon des fruits et légumes, on va tout de suite prendre les fruits et légumes. Alors déjà il prend un truc que je n'aime pas. De la mâche. La salade. Qui mange de la mâche? Dites-moi dans les commentaires, vous êtes quel type de salade? Non. Non. Regardez-moi ça, je vais péter un plomb. En fait, tout ce qu'il mange, je le déteste. Des tomates cerises, qui mange ça? Des aubergines. Mais en fait, il veut ma mort. Thibaut, tu nous expliques, ok, sainement, mais il y a des meilleurs fruits et légumes, en fait. Tu joues à quoi, là? Ça coûte combien? 3,29€ pour ça, là. Non, c'est trop. Il y a quoi d'autre? Avocat, évidemment. Bah, tant qu'on est dans les légumes, autant le faire jusqu'au bout. En fait, ils sont tous durs. Ah si c'est pas mûr, ça va être dégueu. Ça va être dégueulasse. Ouais. En fait j'ai l'impression que cette vidéo va mal se passer. Je le sens, je le sens. J'ai envie de péter un plomb. C'est la première fois que je vois quelqu'un et que j'entends quelqu'un qui boit du jus de pamplemousse. Je savais pas que ça existait. Du jus de pamplemousse en bouteille. T'es mal à la couleur. Ah oh, j'ai peur. Ok, y'a quoi d'autre? Banane. Yaourt. On doit acheter des yaourts, mais c'est pas les yaourts que vous mangez, vous voyez les yaourts. Non, c'est pas des yaourts comme ça. On veut des yaourts 0% de matière grasse. Après, je veux aussi des bibis, t'as vu? Donc bon, on y va. C'est ça, c'est ça. 15 grammes protéines. Protéines, protéines, faut manger des protéines. C'est quoi ça? C'est beurre de cacahuète. Ah non, non, non. Moi je vois ça, je me suis dit c'est du caramel. Mais tu crois vraiment que Thibaut il va manger du caramel? Noix de coco, ça a l'air d'être sympa ça. J'espère que ça va être bon. J'ai juré que c'est pas bon. Et si je vomis, hein? Thibaut, écoute-moi bien. On s'est jamais parlé, mais sache que tu vas entendre mon nom. J'ai peur, je retire ce que je viens de dire. J'ai peur. Des œufs. 4. En fait, maintenant ça me donne envie de manger sainement. Je sais pas pourquoi. Là, j'ai hâte de manger ce qui va se passer aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes prêts? C'est parti! Faut pas être gênante comme ça. Bon, il commence avec le petit déjeuner, il montre un petit peu son alimentation et on commence. J'ai très peur, j'ai très très peur. Premier repas de la journée, le petit déjeuner, je le prends environ vers 6h du matin. 6h du matin, bon. On m'a dit que je mangeais comme lui, pas que je suivais toutes ses habitudes alimentaires aussi. À présent, prends des œufs, je prends des œufs bio, 3 œufs. Mais doucement les protéines, c'est ce que je mange en une journée. Je me prends une tasse dans laquelle je vais peser 40 grammes de flocons d'avoine. Avoine bio aussi. Je déteste les flocons d'avoine, je n'aime pas ça. S'il y a pas de chocolat, il y a pas de flocons d'avoine. Je vais mettre de l'eau à l'intérieur des flocons d'avoine. Je sais que c'est pas très bon, mais au moins l'eau c'est diète. Vous foutez de moi le verre de flocons d'avoine. S'il te plaît, Thibaut, je sais que tu veux regarder cette vidéo. Est-ce que tu bois les flocons d'avoine avec l'eau? Je comprends pas là. Ça se boit des flocons d'avoine? Attendez, ouais. Dans tous les cas, c'est parti. On va commencer à cuisiner. Et avec ça, il ajoute un verre de jus de pamplemousse, ce que j'ai dû acheter. Ça m'effraie vraiment. J'ai peur pour mon ventre. Il a pas l'habitude de manger des trucs comme ça. Vous êtes prêts? C'est parti. Direction la cuisine. Dégoûte. C'est
c'est parti, petit déjeuner. Alors comment vous dire, je sais pas du tout cuisiner. Pas du tout, je sais rien faire. Donc là, je dois faire l'omelette, mais je sais pas comment faire. Écoutez, on va suivre ce qu'il a dit. Il a dit qu'il mettait un peu d'huile d'olive. Hop. Ensuite, il met 3 œufs. Pour moi, c'est une dinguerie de manger autant. Après, c'est normal, il est en prise de masse. Faut faire chauffer la poêle avant. Fallait faire chauffer la poêle. Tu mens. Non, c'est pas grave, ça va marcher quand même. Je mets à chauffer. Ok, bon. Mets à chauffer maintenant. Hein. Là, c'est cauchemar en cuisine. On poursuit. On met un peu de poivre. Par contre, ça cuit vite. Ok. Un peu de poivre. Il y en avait pas. Il y a un bouchon. En fait, c'est pour ça que je mange pas sainement. Parce qu'en fait, je sais pas faire manger. Ensuite, avec ça, une demi-banane. Mais je vais manger tout ça là. Non, c'est trop. Et le fameux jus de flocons d'avoine. Je peux pas boire ça. Je ne peux pas. Donc, littéralement, il prend des flocons d'avoine. Il les met dans son verre. Et ensuite, il met de l'eau. Ah, mais ça m'effraie. On dirait du vomi. C'est quoi ça? S'il te plaît, Thibaut, dis-moi que je me suis trompée ou que tes explications, tu les avais pas terminées ce jour-là. Mais t'avais trop d'eau là. Ah oui? Bah, je pense. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce que je fais. Et enfin, pour terminer, du jus de pamplemousse. Est-ce que vous avez déjà bu ça? Dites-le moi dans les commentaires, sans mentir, si vous avez déjà bu du jus de pamplemousse. Ça va? On me dérange pas. Ça commence à cramer. Arrêtons ça vite. Comment on fait? Non, ça par contre c'est une portion pour 3 personnes. On va petit déjeuner tout ça? Allons-y. C'est parti, il est temps pour moi de déguster ça. Je vous avoue que j'ai assez faim, donc ça va le faire. Mais le problème c'est qu'il y a quand même 3 œufs et que je me dis la journée va être très dure, va être très longue. Mais il faut que je pense à mon corps bien musclé. Pense à ça, Choco, ok? Faut que j'aille à la salle après. Comme ça je serai vraiment dans les bonnes conditions. Oh, Minou! Minou, il a faim! Allez, je vais goûter les œufs déjà pour voir si je les ai bien cuits. J'aime pas ça. Ça fait genre des grisailles. Vous voyez de quoi je parle? Bizarre. Ok, c'est pas grave. On va goûter le jus au pamplemousse. S'il te plaît, je t'en supplie. Faites en sorte que ce soit bon. Faites en sorte que ce soit bon. Ça sent le pamplemousse de la cantine, vous voyez? C'est amer, acide. Ah, c'est même pas sucré. Non, 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 non. S'il te plaît, Thibaut, explique-moi. Dis-moi qu'il y a plein de fibres, qu'il y a plein de bonnes choses à l'intérieur, mais... Et on a juste à côté la deuxième boisson. Non, c'est pas une boisson. En vrai, j'exagère. Pour moi, ça ressemblait plus à du smecta. Ça sent presque rien, en fait. Mais en fait, ça me dégoûte de voir ça, là. Je vous jure, je peux pas boire ça. Mais en fait, c'est carrément... Je pense qu'il faut que je mange juste les flocons. Ok, je goûte. C'est le goût de céréales sans sucre. C'est pas bon. Je vais continuer à manger les œufs. Hein, écoutez. Mais en vrai, je vais jamais finir tout ça. Hein. Ça commence déjà à me gaver. Je mange bien avec la bouche pleine. ASMR. D'ailleurs, j'ai une chaîne ASMR, pour ceux qui ne savent toujours pas. Voilà. Mes amis, je vais taper ça. Je pense pas que je vais tout finir. Ça, ça va aller dans le frigo. Et quelqu'un va forcément le boire, je l'espère. Le pouce bleu, direction le midi. Le déjeuner. Il nous faut une source de glucides. Pour cela, on va prendre les fameuses pâtes complètes. Et moi, le midi, je prends 130 grammes de pâtes pesées crues. 130 grammes de pâtes crues, vous savez ce que ça fait quand on les cuit? Ça fait pas 130, ça fait bien plus la quantité que je vais devoir manger. Mais je vais être collée. En même temps, on va prendre de la dinde ou du poulet. Là, il nous faut 200 grammes de poulet. 100 grammes. Pendant que le poulet cuit, on va préparer l'aubergine. L'aubergine, comme ceci. Là, j'arrive plus à bouger. De l'aubergine. Tout ce que vous voulez, des épinards, tout ce que vous voulez, mettez des aubergines. Et là, on vient placer les rondelles d'aubergine en même temps que le poulet est cuit. Et donc, en fait, en plus de ça, c'est une aubergine grillée. Nickel. Et à la fin, il ajoute un petit peu de sauce tomate. On va essayer de faire la même chose que lui, en espérant qu'on y arrive. Parce que, comment vous dire, je ne sais pas cuire des pâtes. Pas besoin de me juger comme ça. On va apprendre ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti. Tu fais quoi, chocolat? Rien, rien. Ok, bon, je suis en train de taper sur YouTube comment faire des pâtes. C'est une blague? Non, je suis très sérieuse. Je sais pas faire des pâtes, c'est pas drôle. Ok, première étape, déjà mettre de l'eau. On prend notre fameuse casserole. Moi, j'appelle ça une marmite. Hein. Je suis désolée, mais pour moi, c'est une marmite. Je mets l'eau dans la marmite. C'est bon. Je crois que là, il y a assez d'eau, non? Tu me dis? Ouais, c'est bon. Ok. On allume la plaque, le level 9. Je me suis pris sur forme. En attendant que c'est en train de bouillir. Ah là, c'est bon, je commence à voir la technique. Je vais faire cuire la viande. Donc, la viande, on la cale ici. Enfin. Voilà, on met un peu d'huile d'olive et je vais pas faire la même erreur que tout à l'heure, je la dégouline partout parce que tout à l'heure, c'était pas bien. Voilà. Et je mets les 200 grammes, mais 200 grammes. Je crois que son régime alimentaire, il est pas adapté pour moi, je pense. Je pense pas qu'il soit adapté. Voilà, j'ai oublié de mettre le sel. Mais toi, tu me regardes faire et tu me dis rien. Un peu de sel. On prend une aubergine. Par contre, les pâtes, ça va mettre un long moment en fait. T'es sûr que tu l'as mis à chauffer? Non.
non, j'ai pas mis à 0. Pourquoi c'est à 0? J'ai juré maintenant que j'ai mis à 9. Regarde, il y a des bulles. Si je mets mon doigt, je vais me brûler. Ça me donne tellement faim par contre. Mais quand je vais manger, je vais pas assumer deux tranches comme ça. On allait oublier quelque chose. C'est de prendre 150 grammes de pâte crue. Est-ce que vous savez combien ça fait? 150? On en est qu'à 21. Il faut que ce soit 150. Il mange la moitié d'un paquet. C'est énorme. C'est énorme. Ok, non, non, là il y en a un peu trop. Stop, stop. Oh la catastrophe. Vous voyez pourquoi je ferai jamais de cuisine? Faut pas que ça crame. Attention. Oh là 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 là. En attendant que ça chauffe, je vais couper en lamelles aubergine. Ok. Ben, on va mettre 3 tranches. C'est vraiment comme ça qu'il a écrit. Hop hop hop. Quelle catastrophe. Je pense qu'il faut les couper. Ah, c'est un sacrilège de couper les spaghettis. Hein. Ah ouais? Désolé les Italiens qui regarderont cette vidéo. En train de faire carnage dans la cuisine. J'attends que ça cuise et je vous prends directement dans l'assiette. J'ai l'impression d'être à la cantine et de devoir manger un plat genre mi-bon, mi-pas bon. Écoutez, on va goûter d'abord le truc que je déteste, comme ça au moins c'est fait. Non, j'ai pas envie, il le faut. Qui mange des aubergines? 100, cameraman, 100, 100. Ouais, ça sent pas la rose, hein. Ok, je goûte. J'ai avoir des relances. 3, 2, 1. On va manger la viande en attendant. Est-ce qu'on peut en parler de toute la quantité qu'il y a? Mais c'est plus une prise de masse là. C'est la masse qui va me prendre. Pour le reste, c'est bon, c'est simple. Les pâtes, est-ce que je les ai bien cuites? Mes premières pâtes, elles sont un peu dures. Par contre, impossible de finir tout ça. Surtout que vous, vous voyez pas, mais c'est une assiette qui est creuse. À l'intérieur, il y a plein de pâtes. Et là, d'apparence, on a l'impression que c'est une assiette normale. Pas du tout. Je vais continuer à manger tout ça. Un régal. Désolé Chipo, mais j'arrive pas. La tentation est beaucoup trop forte. Je peux pas réussir à manger comme toi. Y a pas de sel. C'est pas assez assaisonné. Alors tu sais quoi, je vais faire attention. Ok, là je commence à ressentir que ça fait beaucoup là. Non, continue, on lâche rien. Pense aux muscles, pense aux glucides, pense aux lipides. Je peux plus. T'abandonnes? Dernière bouchée, j'abandonne. J'arrive plus. Mais c'est une dinguerie. Je pense que le pire truc, c'est de devoir manger alors que t'as pas faim. Tu te forces à manger, je pense que c'est atroce comme sensation. J'avais déjà fait une vidéo où je mangeais comme une obstacle pendant 24 heures et c'était atroce aussi parce qu'en fait, il y avait des trop grosses quantités. Il reste ça. Écoutez, je vais garder ça de côté et demain, je pense que je vais manger ça. Je parle vraiment la bouche ouverte, c'est vraiment... C'est pas respectueux, pardon. En tout cas, let's go. On passe à présent pour vous au goûter. Les gars, il est 17h47. Non mais il fait nuit trop tôt, c'est grave l'hiver. Je sais pas à quoi m'attendre. C'est la première fois que je vais manger un yaourt comme ça. C'est un genre un yaourt 15 grammes de protéines. Genre c'est-à-dire si je mange tout le yaourt, 15 grammes de protéines, c'est tout. C'est vrai? On va voir si c'est si bon que ça parce que à tout moment c'est pas sucré et tout. On va goûter. J'espère que ça peut me réserver une mauvaise surprise. Allez, 3, 2, 1. C'est bon. En fait au début j'étais pas sereine, mais là, à la fin, c'est incroyable. J'aime beaucoup trop. C'est doux. En fait, j'aime bien comment tu manges, Thibaut. C'est vrai qu'il y a un peu beaucoup de quantité, voilà. Mais ça passe crème. Je pense que je pourrais manger comme ça tous les jours, juste en mettant un peu de fast-food, quoi. Après, 4 cuillères, ça suffit, hein. En entier, c'est chaud. Avec un yaourt comme ça, vous allez vraiment être calé. Je peux pas manger tout ça. J'arrive pas. Échec sur échec, non. Bon, c'est pas grave, je vais un petit peu aller sur mes réseaux sociaux, je vais répondre un petit peu à mes messages Instagram. D'ailleurs, pour les personnes qui me suivent toujours pas, n'hésitez pas à vous follow à mon Instagram qui s'affiche, voilà. Chocolatevania. Je vais me poser, je vais lire tout au DM et on se retrouve pour le dîner. Je viens de sortir d'un tournage. Comment vous dire que j'ai pas du tout faim et que j'ai pas du tout la déter pour manger ce qui m'attend là? Est-ce que vous voulez voir ce que je dois manger? On va voir ensemble. Wrap, salade, avocat, en plus c'est de la mâche. Tout ce que je déteste, viande hachée, comme ça là, c'est lourd. Tomate cerise, avocat, viande hachée, chèvre. Non, c'est trop pour moi, les gars, je vous jure, j'ai mal au ventre. Comment vous dire que tout à l'heure au tournage, j'avais mal au ventre? S'il vous plaît, je vous en supplie, j'ai pas envie de manger. Genre vraiment, je pense que là, si je mange, il y a moyen que je vomisse tout ce que j'ai mangé aujourd'hui. Vous m'en voulez pas? Je pense que le chien m'en veut. Oh les gars, je pense que je vais pas grailler, je vous avoue là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça en plus, c'est pas un, c'est deux wraps comme ça. Alors vous voulez ma mort? Vous voulez des sushis aussi? Vous voulez que je mange des sushis? Non les gars, c'est pas possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez une deuxième partie. 50K de likes, évidemment. Dites-moi dans les commentaires quel youtubeur ou quelle célébrité vous avez envie que je fasse. Je vous fais très gros bisous. Bye! Les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à y la zioter, ma vidéo s'affiche à l'écran. Donc n'hésitez pas à y la regarder. Je vous fais des très gros bisous.